une nouvelle émission Passé-Présent, une émission pour ceux qui pensent que l'histoire a beaucoup de choses à nous apprendre. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons d'évoquer tout d'abord l'alliance franco-russe qui a été conclue en 1893, hein, dans le contexte politique international actuel. C'est intéressant de revenir sur cette question. Et puis ensuite, Catherine évoquera la figure d'un grand médecin du 19e siècle, le docteur Laennec. Et puis enfin, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité maître Éric Delcroix, avocat, historien du droit. Et nous parlerons avec lui de cet antagonisme qui s'est progressivement mis en place au cours des dernières décennies entre l'État de droit, dont on nous rebattant les oreilles aujourd'hui, et puis l'État souverain. Alors tout d'abord, l'alliance franco-russe qui se scelle à la fin du 19e siècle. Pourquoi ce sujet? Bien entendu, l'actualité nous met en situation de constater la détérioration des relations entre la Russie d'aujourd'hui et puis l'Europe, également avec la France. Ça nous renvoie l'épisode lamentable de la non-livraison des Mistral. Donc il est utile de revenir sur un moment historique qui voit au contraire se rapprocher les deux pays et ce qui va considérablement bouleversé d'ailleurs l'équilibre diplomatique de l'Europe de cette époque. D'abord, il faut s'étonner un petit peu de ce rapprochement, puisque l'Empire des Tsars, présenté comme une sorte de régime autocratique, caricatural, réactionnaire, archaïque, va s'allier à ce moment-là, oui, ça nous rappelle quelques éléments de propagande d'aujourd'hui, va s'allier à ce moment-là avec une république qui clame haut et fort son attachement à l'héritage des Lumières, de la raison, qui entend lutter de la manière que l'on sait contre la superstition, à partir d'un anticléricalisme militant qui va s'exprimer notamment à travers des figures comme celle du petit père Combes au début du XXe siècle, donc un rapprochement qui paraît un petit peu contre nature. Et il est vrai qu'au XIXe siècle, dans les décennies qui ont précédé, on sent pas tellement la mise en œuvre d'une telle possibilité. La Russie est un des piliers de l'ordre européen établi en 1815 par la Sainte Alliance, et établi en grande partie contre la France vaincue, la France de la Révolution et de l'Empire. Les Français ont des très mauvais souvenirs des Cosaques. Oui, voilà, On a eu la retraite de Russie, la campagne malheureuse qui a abouti à la chute de l'Empire, on a eu l'occupation du territoire pendant un temps par les Cosaques. Tout ça n'a pas laissé que des bons souvenirs, bien entendu. Ensuite, nous allons nous retrouver confrontés aux Russes lors de la guerre de Crimée. Nous allons soutenir les insurgés polonais contre la domination russe, les régimes considérés comme absolutistes de Nicolas Ier puis d'Alexandre II n'ont évidemment pas très bonne presse chez les esprits éclairés parisiens de l'époque. Et en plus, quand la République est proclamée en 1870, eh bien, ça ne peut que rappeler des précédents qui n'étaient pas franchement favorables à l'établissement de relations positives entre Paris et Saint-Pétersbourg. D'autant qu'au début des années 1870, la France apparaît complètement isolée en Europe après la défaite qu'elle vient de subir contre l'Allemagne. C'est la période dite du recueillement. Pendant cette période, le chancelier Bismarck fait tout pour maintenir l'isolement du pays vaincu et il se débrouille très bien pour cela. En 1873, en mettant en œuvre l'alliance des trois empereurs, l'empereur allemand, l'empereur austro-hongrois et bien entendu l'empereur russe. Évidemment, il y a un petit problème dans cette alliance, c'est que deux des alliés de l'Allemagne, donc la Russie et l'Autriche-Hongrie, ont aussi des intérêts tout à fait divergents dans les Balkans notamment, et que ça peut fragiliser l'alliance en question, mais au début, cette alliance des trois empereurs apparaît comme une sorte de garantie de la stabilité européenne, à une époque où bien sûr l'Angleterre n'entend pas du tout s'engager sur le continent, elle se préoccupe simplement d'en maintenir la division au nom de l'équilibre des puissances, pour mieux assurer elle-même son hégémonie globale.
La crise de 1877-78 dans les Balkans va secouer un petit peu cette alliance des trois empereurs, hein, puisque la Russie va se voir intimée par les puissances l'obligation de renoncer au succès qu'elle vient de remporter contre l'Empire ottoman lors de la conférence de Berlin, du congrès de Berlin. Mais Bismarck va rattraper le coup assez rapidement avec une nouvelle alliance des trois empereurs établie en 1879-1881. En même temps, en 82, c'est la triple alliance Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. Le système européen paraît donc parfaitement verrouillé avec un objectif principal, maintenir l'isolement de la France. En même temps, le rapprochement germano-russe, l'amitié germano-russe est quand même fragile. Par exemple, en 1887, les Allemands se rapprochent des Roumains. Et bien entendu, c'est dans une perspective qui peut apparaître inquiétante pour les Russes. Mais toujours en 1887, les Allemands vont conclure avec la Russie, toujours à l'initiative de Bismarck, un traité de réassurance secret qui maintient en quelque sorte l'édifice diplomatique européen tel que l'a voulu le chancelier de fer. Alors dans tout cela, la France paraît isolée. Toujours aussi isolée. Les choses ne s'arrangent guère parce que en 1886 et au cours des années suivantes, la France connaît l'épisode boulangiste. Boulanger, ministre de la guerre, qui tape du poing sur la table à partir d'un incident de frontière tout à fait secondaire. Mais on craint une nouvelle poussée de fièvre en France, un phénomène de type bonapartiste avec ce brillant général qui s'est arrangé pour bénéficier d'une grande popularité et on craint même que cela n'entraîne un affrontement franco-allemand à la charnière des années 1886-87. Et à ce moment-là, les Français vont quand même aller aux nouvelles du côté de Saint-Pétersbourg. Laboulaye, qui est notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg, va s'adresser au ministre des Affaires étrangères du tsar Alexandre III de Gierse. Et là, les Russes vont dire « Ah ben, on ne laisserait pas faire l'Allemagne si jamais elle prenait l'initiative d'une action contre la France », ce qui, évidemment, suscite à Paris un certain nombre d'espoirs. On ne veut pas aller trop loin quand même, car il ne s'agit pas de provoquer l'Allemagne, qui, sans cela, fondrait sur nous, dit Flourens, le ministre des Affaires étrangères, à son ambassadeur à Pétersbourg, donc il faut rester prudent. Mais il y a déjà quelque chose qui se dessine un petit peu. Ça va trouver quand même très vite ses limites, parce que la Russie va refuser de cautionner l'exposition universelle de 1889 qui célèbre le centenaire de la Révolution française. L'ambassadeur russe sera rappelé à Saint-Pétersbourg durant cette période. Donc, on voit bien les limites de l'exercice. Pas de pavillon de la Russie à cette exposition. Pas à l'exposition de 1889, hein, alors qu'il y a finalement un pavillon de l'Allemagne. Hein, les choses sont apaisées avec l'Allemagne. L'Allemagne, elle, est présente. Bien présente. En même temps, depuis Saint-Pétersbourg, on constate quand même un certain nombre de choses. La France, certes, est isolée, mais elle est en conflit plus ou moins latent avec la Grande-Bretagne, notamment sur les théâtres coloniaux, en Égypte, à Madagascar, en Indochine, et la Russie elle-même étant en confrontation avec l'Empire britannique dans le cadre du grand jeu eurasiatique de l'époque, ça peut créer finalement des éléments de rapprochement, ça peut créer des liens, d'autant que les Russes s'inquiètent beaucoup d'un éventuel rapprochement à venir entre l'Angleterre et l'Allemagne, rapprochement qui semblera prendre corps quand Guillaume II arrivera au pouvoir après 1890. Alors, on envoie quelques signaux du côté français, on imagine la mise en œuvre d'une convention d'extradition tournée contre les terroristes russes réfugiés en France. Ça ne va pas se confirmer tout de suite, mais c'est déjà un signal. En revanche, quand les Français décident de voter la loi d'exil, le Parlement français vote la loi d'exil des dynasties, des familles royales qui ont régné sur la France, eh bien, c'est très mal vu, on s'en doute, à Saint-Pétersbourg, en ce moment donc où l'on célèbre de plus
le centenaire de la révolution de 1789. Il y a aussi un élément qui retient beaucoup les Russes, quel que soit l'intérêt qu'ils pourraient discerner à s'allier avec les Français, c'est l'instabilité gouvernementale de l'époque. On ne peut pas s'engager avec des gens, avec des gouvernements qui ont des perspectives de survie qui se limitent à quelques mois. Mais enfin, les choses continue quand même, grâce en partie à l'action de l'ambassadeur à Saint-Pétersbourg, Laboulaye, qui va être un artisan essentiel du rapprochement. Il est très proche du général Obroutchov, qui est le chef d'état-major de l'armée russe et qui a la particularité d'être marié à une Française et à ce titre de passer toutes ses vacances d'été en Dordogne, dans la propriété de la belle famille. Il avait du goût. Voilà, ça crée des liens. Des liens également du fait du général de Boisdeffre, qui a été attaché militaire à Saint-Pétersbourg et qui a mis en place là-bas, sur les bords de la Neva, tout un réseau favorable à une alliance avec la France. Bon, le problème dans la perspective d'une alliance comme celle-là, c'est que la France, elle veut se préserver avant tout face au péril ou à la menace de l'Allemagne, qui la Russie ne perçoit pas du tout comme une menace ou comme un ennemi potentiel. Pour la Russie, l'ennemi potentiel, c'est l'Autriche-Hongrie. Or, du côté français, l'Autriche-Hongrie, évidemment, on s'en préoccupe assez peu. Alors, monter cette alliance, c'est un projet qui se trouve confronté aussi à cette contradiction. Hein. Cela dit, Alexandre III, le tsar, signale à notre ambassadeur que si l'Allemagne voulait s'en prendre à la France, la Russie ne resterait pas les bras croisés. Donc là encore, des signaux qui peuvent apparaître encourageants. Il y a un élément également très important qui va jouer, qui est bien connu. À partir de 1888, les emprunts russes qui vont être lancés sur la place de Paris vont rencontrer un grand succès. Hein, la France, il faut le rappeler, la deuxième puissance financière du monde après la Grande-Bretagne. La France a épargné, a accumulé tout au long du prospère 19e siècle et elle est en mesure donc d'intervenir par ce biais pour favoriser le développement de tel ou tel pays. Et bien entendu, ces liens financiers qui s'établissent vont favoriser ensuite l'évolution des choses. Et puis, est-ce que les grandes familles russes n'avaient pas l'habitude de venir passer leurs vacances soit sur la côte d'Azur, bien soit sûr, même en Bretagne, bien sûr, et nous, à Bornavalo, voilà, nous sommes, pour ne rien dire, de Nice ou de Biarritz, et nous sommes encore à une époque où la culture française est considérée dans de nombreuses cours d'Europe comme la culture de référence. Une bonne partie de l'aristocratie russe, sa langue étrangère, à l'évidence, c'est le français, ce qui facilite évidemment un certain nombre de choses. Il y a également un élément nouveau, c'est que le régime de la Troisième République va connaître dans ces eaux-là une meilleure stabilité sur le plan politique. On va avoir un ministère Freycinet qui va durer 2 ans. Formidable. Un record tout à fait étonnant. Au niveau du Quai d'Orsay, c'est une stabilité du même genre que l'on remarque, avec Ribot puis Anoto qui vont occuper le Quai d'Orsay pendant 7 ans à eux deux. Hein. Donc là, les Russes peuvent avoir le sentiment qu'ils ont affaire à des interlocuteurs un petit peu plus solides, un petit peu plus fiables. Il y a un autre élément aussi qui entre en ligne de compte, ça va être la mise à l'écart de Bismarck. Bismarck est mis à l'écart en 1890, hein, parce que Guillaume II veut prendre en main les choses. En plus, Bismarck a été desservi par l'un de ses anciens protégés, Hollestein, qui considérait comme un grand danger le maintien du traité de réassurance avec la Russie, traité secret, je le rappelle, parce qu'il était contradictoire avec l'alliance avec l'Autriche-Hongrie. Et donc, on ne pouvait pas jouer les deux cartes à la fois, pensait-il. C'était le machiavélisme bismarckien, trouvait là ses limites. Et du coup, eh bien, la Russie va se retrouver un petit peu, quand on ne va pas renouveler le traité de réassurance, va se retrouver un petit peu orpheline de son alliance allemande, va se retrouver en fait isolée, au même titre que la France est isolée depuis 1870. Alors, les diplomates voient quelle est l'exploitation qu'on peut faire cette situation. Hein, Laboulaye, toujours lui à Saint-Pétersbourg, Gers, le ministre russe des Affaires étrangères, hein, ils vont commencer à réfléchir à un rapprochement. En France, en 1890, on arrête 14 nihilistes russes, 14 terroristes russes qui étaient à Paris, hein, donc ce qui est un signal. Du coup, on échange des décorations russes et françaises entre les
principaux responsables. En plus, la Russie, du fait de l'éloignement de l'Allemagne, se rend bien compte qu'en cas de guerre avec l'Autriche-Hongrie, c'est difficilement imaginable qu'elle ne soit confrontée qu'à cette puissance-là. Il faudrait compter avec la puissance allemande également. En plus, là encore, il y a des éléments de personnalité qui jouent. J'ai parlé tout à l'heure de Bois d'Effre, qui a été attaché militaire à Saint-Pétersbourg. Il devient sous-chef d'état-major général à ce moment-là en France. Donc, dans l'armée, ce sont des gens favorables à cette alliance qui commencent à prendre les choses en main. Le général de Miribel, chef d'état-major général, est acquis aussi à cette idée d'alliance russe. Ils sont liés à Freycinet, dont je viens de parler, qui a été ministre de la guerre depuis 88 et ensuite qui sera pendant 2 ans président du Conseil. Donc il y a tout un réseau de personnalités là appelées aux favorable. Plus hautes fonctions qui sont favorables. Et le résultat de tout ça, c'est qu'à l'été 90, Bois d'Effre est invité aux grandes manœuvres de l'armée russe et commence à évoquer avec ses interlocuteurs militaires les perspectives d'une éventuelle alliance. On envisage la réception à Kronstadt d'une escadre française. Le principe est admis. Au cours des semaines suivante, Bois d'Effre et Obroutchev vont se retrouver en France, à Vichy. Vous savez, les stations thermales, ça servait beaucoup pour les relations diplomatiques à l'époque. Hein. On pense à Plombières pour Napoléon III et Cavour. Ils vont se retrouver à Vichy, puis ensuite dans la propriété périgourdine de la belle famille d'Obroutchev. Et là, on va mettre sur pied un projet cohérent, de traité défensif contre la triple alliance, qui vient elle-même d'être renouvelée au mois de mai précédent. Les choses se précipitent aussi parce que les Russes sont très inquiets des tentations apparemment qui animent Guillaume II d'un rapprochement avec l'Angleterre. Guillaume II, c'était un petit-fils de la reine Victoria, il se rend en voyage officiel en Angleterre, et là, si ce rapprochement anglo-allemand, ça a tout lieu d'inquiéter à Saint-Pétersbourg, où nous sommes toujours dans le contexte du fameux grand jeu eurasiatique entre l'Angleterre et la Russie. C'est seulement à partir de 1907 que cette affaire-là va être apaisée et que Russie et Angleterre vont se rapprocher. Alors, au moment où se dessinent tous ces éléments-là, l'escadre française arrive à Kronstadt et elle reçoit un accueil absolument triomphal, une espèce d'adhésion populaire qui évidemment encourage à pousser plus avant dans le sens de l'alliance. Et au mois d'août 1891, le tsar autorise l'ouverture de pourparlers, alors là beaucoup plus officiel, entre français donc et russes, au moment où, comme par hasard, le gouvernement français pousse les épargnants français à s'engager en faveur de l'emprunt russe. L'année précédente, l'emprunt lancé à Paris par les Russes n'avait reçu qu'un accueil très mitigé. On avait soupçonné la banque Rothschild, travaillant à ce moment-là pour les intérêts de l'Angleterre, d'avoir été en partie responsable de ce semi-échec. Là, ce ne sera pas le cas. Le gouvernement français s'engage. Voilà, la presse française explique que c'était une opération intéressante sur le plan financier, mais que c'est en même temps une opération hautement patriotique, puisqu'il s'agit de s'assurer un allié puissant. Laboulaye, l'ambassadeur à Pétersbourg, va arriver à la fin de sa fonction, mais il va être remplacé par un autre ambassadeur, Gustave de Montebello, qui va être exactement sur la même ligne et qui va donc pouvoir finaliser le projet. En août 1892, le général de Bois d'Effre et le général Obroutchev vont signer une convention militaire correspond véritablement à l'alliance, mais qui ne sera pas ratifié tout de suite. Il faudra attendre assez longtemps, 16 mois avant la ratification. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est rentré de nouveau dans le cycle des crises ministérielles. Décembre 92, c'est l'affaire de Panama qui éclate, Loubet est renversé. Quel malheur d'avoir un jaune. Voilà. C'était le scandale Wilson. Ça. Ah, il s'agit du jaune de Jules Grévy, c'était auparavant. Hein. Mais c'est le scandale de Panama, le scandale des Chécards, dénoncé par Barrès dans le figure. On va avoir des gouvernements qui vont tenir quelques semaines seulement. La Troisième République semble repartir dans ses défauts congénitaux. Ça a de quoi inquiéter les Russes. Les choses vont s'arranger au fil des mois suivants. En juin 93, une convention commerciale franco-russe est signée.
Donc ça, c'est, évidemment, ça ne peut qu'arranger les choses. En octobre 93, l'emprunt russe remporte un nouveau, un très grand succès sur la place de Paris. Dans le même mois d'octobre 93, cette fois, c'est la flotte russe qui arrive à Toulon. Et alors là, formidable. C'est la même chose, un accueil extraordinaire, un accueil triomphal, et tout ça relayé par les médias de l'époque. On publie des livres, des images dans la presse, etc. Tout semble mûr désormais pour que la convention soit ratifiée, soit définitivement signée le 15 décembre 1893. Avec des lettres qui confirment cela à la fin de décembre pour les Russes, au début janvier pour les Français. Alexandre III, le tsar Alexandre III, va mourir quelques semaines plus tard, mais Nicolas II, qui lui succède, confirme absolument ce qui avait été décidé. Donc l'alliance russe, là, devient une réalité. Et le plus beau pont de Paris porte le nom d'Alexandre III. Le nom d'Alexandre III, bien sûr. Il y a quelques malentendus quand même qui demeurent. Qu'en est-il des ambitions russes dans les Balkans, dans l'Empire ottoman? Là, les Français veulent pas aller voir ça trop près. Dans l'autre sens, les Russes ne veulent pas prendre en compte le différend franco-anglais à propos de l'Égypte. De la même manière, en Extrême-Orient, lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, les Français restent au niveau du gouvernement politiquement très discret, alors que la presse française, évidemment, soutient massivement la cause russe. La politique russe, du nid. Voilà. Et puis, cette alliance, il faut signaler aussi qu'elle n'a pas de dimension navale, ce qui aurait pu inquiéter la Grande-Bretagne. En 1908, quand intervient la crise balkanique, au moment où l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine, les Russes et surtout leurs alliés serbes sont furieux d'être mis ainsi devant le fait accompli. La France, pourtant dirigée par Clémenceau à l'époque, qui sera ensuite le père de la victoire, eh bien la France reste là tout à fait passive. En revanche, quand nous aurons la grave crise marocaine d'Agadir en 1911, les Russes ont tendance à regarder un petit peu ailleurs. Et ils ont de toute manière toujours annoncé qu'ils ne s'associeraient pas à une guerre de revanche visant à la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Donc une alliance franco-russe qui est un fait, qui est une réalité, qui correspond à un accord défensif visant à maintenir le statu quo en fait en Europe tel qu'il est. Mais tout cela, ça n'empêchera pas qu'à l'été de 1914, on le sait, du fait de la crise née de l'attentat de Sarajevo, c'est la mobilisation générale russe du 30 juillet 1914 qui va mettre en mouvement l'engrenage fatal qui conduira au suicide de la vieille Europe. Bien, merci Philippe. Et puis, si pour nos téléspectateurs qui ont un certain âge, vous vous souvenez sûrement des entremets franco-russes, ça vient de cette époque-là. Un certain âge, n'exagérons rien. si, un certain âge. Restez avec nous, on revient tout de suite. Moi, je vais vous parler d'un homme formidable. Il s'appelle René Laennec. C'est un grand médecin, un grand français et même, disons-le, un grand breton. Il est né à Quimper en 1781. Alors, dans une famille d'avocats, hein, son père était d'une lignée d'avocats et il était lieutenant de l'amirauté, ce qui correspondait à un titre plus honorifique qu'autre chose. C'est une famille unie et malheureusement, le petit René Hyacinthe va perdre sa maman très tôt, à 5 ans. Sa maman meurt de tuberculose, la phtisie, comme on disait à l'époque. Le père, complètement débordé par sa progéniture, ne veut pas s'occuper de ses enfants et va les distribuer chez les différents oncles et tantes, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et le petit René va avoir la chance d'atterrir chez son oncle qui est médecin et qui est le plus grand médecin de l'hôpital Dieu de Nantes. Alors ce sont des bons bourgeois. Le petit René va s'intéresser tout de suite à la médecine, il va suivre son oncle autant que faire se peut. Là-dessus, la révolution arrive et vous savez qu'à Nantes, ça, c'est une horreur. La maison familiale est quasiment au centre-ville, là où il y a la guillotine qui n'arrête pas de fonctionner pendant des semaines et des mois. L'oncle trouve ça épouvantable et déménage pour éviter cette vue traumatisante. Et
René Laennec va rester farouchement anti-révolutionnaire, ce qui ne sera pas le cas de Brousset, par exemple, son meilleur ennemi, Brousset, qui lui va même, bon, il avait 10 ans de plus, va même suivre en Vendée, non pas peut-être les colonnes infernales, mais au moins les forces républicaines chargées de mater la Vendée. On voit tout de suite deux caractères. Voilà. Deux caractères. Alors, non seulement cet oncle médecin est un très bon médecin, c'est un bon pédagogue, mais c'est aussi un homme lettré, un fin lettré qui ouvre l'esprit de son neveu à énormément de choses. Et Laennec va garder profondément en lui ce qu'il va apprendre avec cet oncle. Il devient aide-chirurgien de troisième classe, c'est-à-dire, on dirait, carabin aujourd'hui, dans les premières années. Et puis, il va monter assez vite en grade pour terminer chirurgien plein pouvoir. Il va à Paris, s'installe avec son frère. Et là, curieusement, il arrête ses études qui ne sont pas tout à fait finies et se remet à étudier le latin, le grec, les humanités. Donc, c'est un esprit extrêmement ouvert, c'est un homme intelligent, c'est un homme beaucoup de cabinet, c'est-à-dire que c'est pas un orateur, il n'aime pas faire d'effet de manche, c'est quelqu'un qui travaille énormément, et on peut dire que d'une certaine façon, c'est le premier médecin moderne, c'est-à-dire que jusque-là, les médecins avaient peut-être fait des progrès en chirurgie à cause des guerres, mais au niveau de la médecine pure, on en était encore à la médecine de Molière, quasiment. Alors lui, il va beaucoup réfléchir. Il va se baser sur les autopsies et il va chercher la cause. Alors il savait de quoi les gens étaient morts, enfin quels étaient au moins les symptômes qu'ils présentaient, chercher la confirmation durant une autopsie et après essayer d'en tirer des leçons pour le patient vivant qu'il avait sous les yeux. Et il va se, on peut pas dire fonder, mais se baser sur la sémiologie, l'étude des signes. Les signes, jusque-là, pour la médecine, ça n'existait quasiment pas. Or, les signes, ce sont les symptômes. Alors, les symptômes généraux, par exemple la fièvre, c'est un symptôme général, ou la fatigue. Les symptômes fonctionnels, la douleur, avoir mal quelque part. Et puis, les symptômes physiques, c'est-à-dire, à l'époque, ce qu'on pouvait, par exemple, entendre en auscultant un malade, écouter un cœur, etc. Alors, bien sûr, il est connu pour l'invention du stéthoscope, qui est encore utilisé aujourd'hui, qui a été une phénoménale avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais avant ça, il s'était intéressé, par exemple, à l'inflammation du péritoine. Il avait été, on peut dire, le découvreur de la péritonite. Il avait fait une étude là-dessus très poussée. Et puis, pour la tuberculose, c'est lui qui a trouvé le nom avec le tuberculome, c'est-à-dire la lésion primaire de la tuberculose. Jusque-là, on parlait de phtisie. Et il va remonter à la source, c'est-à-dire à cette espèce de petite tumeur qui bourgeonne sur un poumon, le tuberculome. Il va aussi s'intéresser à la cirrhose. C'est lui qui va quasiment découvrir la cirrhose. C'est lui qui va lui donner son nom, en tout cas. Tout ça en étudiant beaucoup les malades morts de cirrhose, en étudiant les cadavres. C'est lui qui va donner ce nom, qui veut dire jaune en grec. Donc c'est un esprit très, très ouvert, mais il va surtout se passionner pour les maladies pulmonaires. Peut-être est-ce la mort de sa maman, je ne sais pas. Mais c'était un vrai souci à l'époque. Alors, l'invention du stéthoscope, la légende dorée dit qu'il passait dans les jardins du Palais Royal et qu'il a vu des gamins jouer avec une poutre laissée par des ouvriers. Un grattait avec une épingle un bout de la poutre et l'autre, à l'autre bout, collait son oreille et entendait parfaitement les coups d'épingle donnés à l'autre bout de la poutre. Plus sûrement, un jour, on lui amène une patiente cardiaque qui est une jeune fille qui est très grassouillette et qui a surtout une très forte poitrine. Et par pudeur, parce que c'était quelqu'un de très bien, il hésite un peu à coller son oreille sur les seins de la demoiselle et puis il se dit, je vais pour écouter le cœur dans ces conditions, ça ne va pas être facile. Il a l'idée, est-ce après l'histoire des gamins et de la poutre, de rouler des papiers simplement et d'écouter avec un rouleau de papier et il se rend compte qu'il entend très bien le cœur de la demoiselle. Donc il va en tirer des conséquences et ça va être l'invention de ce qu'il appelle le pectoriloque dans un premier temps.
qui deviendra le stéthoscope de skéthos, la poitrine en grec, et de scopaine, examiné. Alors, il faudra attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour qu'un Américain ait l'idée de mettre deux embouts pour écouter avec les deux oreilles, le stéthoscope. Alors, sinon, donc, il devient un médecin. Bon, j'allais dire au sommet de sa gloire, il est très jeune, hein. Tout ça se passe, il a 30 ans, 35 ans, il est le médecin, on peut dire, de tout Paris, du Gotha, il va soigner Chateaubriand, qui a la plus grande admiration pour lui, Madame de Staël, la duchesse de Berry, mais c'est surtout un grand chrétien, il fait partie de ce qui s'appelle la congrégation, qui est dirigée par des jésuites, et qui a pour but d'allier la prière et le travail. Et pour lui, être médecin, c'est d'abord être au service des plus pauvres. Et même quand il pourrait être très très bien payé, il va toujours garder de la place pour soigner les plus pauvres. Et en particulier les Bretons, parce qu'il parle breton couramment. Et à Paris, évidemment, les soldats bretons, qui ont en particulier le choléra, personne ne les comprend. Donc il va pouvoir soigner ces pauvres garçons. Alors il a des ennemis aussi, parce qu'évidemment, dès que quelqu'un fait de l'ombre aux autres, il a des ennemis. Son ennemi, ça sera Broussé. Broussé, qui est un malouin, qui a un peu surnommé le corsaire, qui lui est une grande gueule, qui adore faire des meetings où il expose ses théories. Or, pour Broussé, tout vient d'une inflammation. Quel que soit le mal dont vous subissez les effets, il y a une inflammation quelque part. Donc, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Il vous met à la diète, il vous affame et il vous saigne. Vous dites, on n'est pas loin de Molière. Alors, Broussé et Laennec, ça va être la haine vigilante, comme on dit, entre confrères. Et bien sûr, c'était Laennec qui avait raison. Mais jusqu'en 1880, on va trouver des médecins qui écrivent très sérieusement, mais à quoi bon cette invention de M. Laennec? La Providence nous a donné des oreilles, il n'y a rien de mieux pour écouter un cœur. Eh bien non, quand même, le stéthoscope, c'est maintenant devenu quasiment le symbole de la médecine. Quand on veut montrer dans un film que quelqu'un est médecin, on lui met un stéthoscope autour du cou. Sa vie privée, j'allais dire inexistante, hein, il travaille beaucoup. Il finit par épouser une veuve pauvre qui tenait son intérieur. Ils sont heureux, mais très peu de temps, parce qu'il va lui-même attraper la tuberculose et mourir à 45 ans, il n'a même pas 45 ans, dans son manoir de Bretagne, un manoir qui est à Ploaré. C'est à côté de Douarnenez. Il y a toujours son manoir, là où il est mort. Et ce qui est curieux, c'est qu'en 1934, donc il n'y a pas si longtemps que ça quand même, il y a eu une grande cérémonie pour lui rendre hommage à Ploaré. On l'a déterré, ce qui est quand même une drôle d'idée. On a fait un moulage de son crâne, ce qui est encore une drôle d'idée aussi. Et puis on l'a réenterré dans un tombeau, où il est toujours, enfin j'espère, qui date des années 30. C'est un grand nom de la médecine, et c'est un homme qui avait conscience qu'il travaillait pour l'humanité et qui a, sur son lit de mort, dit à son neveu médecin, « Je te laisse la meilleure part de moi, c'est mon stéthoscope. » Et il avait vraiment conscience de faire quelque chose pour les autres. Bravo, monsieur René Laennec. Alors nous avons le plaisir et l'honneur, pour la troisième partie de cette émission, d'accueillir Maître Éric Delcroix, avocat, spécialiste de l'histoire du droit, qui a publié il y a quelques années un ouvrage particulièrement intéressant et même, on peut dire, prophétique à beaucoup d'égards, un ouvrage qui s'intitule « Le théâtre de Satan, décadence du droit, partialité des juges », hein, qui est publié aux éditions de l'Ancre, France Phi, Diffusion. Alors, pourquoi avoir invité Maître Delcroix? Eh bien, parce que nous avons constaté au cours des dernières années, c'est un phénomène de plus en plus évident, que les peuples étaient progressivement dépossédés du pouvoir politique censé leur accorder la démocratie, et ils sont obligés de subir des oukases idéologiques qui proviennent du système, de la nomenclatura politico-médiatique qui les gouverne, dont la légitimité démocratique, elle, est plus que discutable. Donc il était important de faire appel à un juriste
pour que nous puissions nous pencher sur ces notions que l'on nous vend en permanence comme celles de l'état de droit, sans que cela ait jamais été bien défini, mais tout cela se présentant comme une sorte d'obligation morale à laquelle il faudrait se soumettre sans examen et sans discussion. Donc, merci beaucoup, Yannick Delcroix, d'avoir accepté de venir nous éclairer. Et tout d'abord, nous pourrions peut-être nous attacher à une définition, ce fameux état de droit dont on nous rebat tant les oreilles, au point de l'invoquer même contre la volonté exprimée par les peuples. Comment les juristes ou les historiens du droit vont-ils le définir ? Alors, il y a une très grande confusion à l'heure actuelle, puisque même des juristes qui n'y ont pas forcément réfléchi, parlent sans cesse de l'état de droit, mettant ça de façon confuse en parallèle avec la République, mettant ça en parallèle avec toutes sortes de respect de la loi, alors que ça, c'est tout à fait une confusion. L'état de droit ne correspond à aucune haute tradition du droit français. On pourrait remonter à l'Ancien Régime, ça pourrait correspondre à quelque chose. Mais si on se met dans la tradition du droit français depuis les Lumières, l'état de droit n'existe pas. L'état de droit, on pourrait dire qu'il a débarqué le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. La rule of law. Et elle a eu ensuite cette notion qui vient du droit coutumier, où la loi est regardée comme quelque chose de secondaire, mais où la coutume définie par les juges est la base primordiale de la loi. Pour les Anglais, la common law. C'est donc un tout autre esprit qui nous vient d'Angleterre et d'Amérique. L'état de droit va être adopté par la République fédérale allemande parce que ça correspond, Rechtsstaat, ça correspond à quelque chose chez eux d'ancien, puisque l'unification allemande est tardive et que par conséquent la jurisprudence même fondée sur un droit écrit qui était le droit romain, la jurisprudence faisait un petit peu tout et par conséquent il y avait l'idée que le juge pouvait s'affranchir de la loi. C'était même le cas du temps du national-socialisme avec le Volksempfind, l'esprit du peuple, qui faisait que le juge, y compris pénal, pouvait s'affranchir de la loi, ce que l'on ne sait plus aujourd'hui, dans l'intérêt du peuple, ce qui est extrêmement dangereux, bien entendu. Par conséquent, ça correspond à la rule of law des anglo-américains et ça correspond au Rechtsstaat de la tradition allemande. En revanche, en France, depuis les Lumières, nous sommes des enfants de Beccaria, et par conséquent, nous accordons une importance primordiale au droit écrit et donc à la loi souveraine. Alors, Beccaria, maître de Croix, oui. En quelques mots, précisément. Alors, Beccaria, pour nos auditeurs. Beccaria. Pour moi aussi. Aujourd'hui, on dirait italien. Beccaria, c'est celui qui a énoncé au XVIIIe siècle, pour le droit pénal, qu'il n'était pas possible de continuer tel qu'on le faisait de façon barbare pour lui, et qu'on ne pouvait punir quelqu'un avec une loi pénale que si cette loi, un, préexistait à l'acte qu'on reprochait à la personne, et deux, était suffisamment précis pour permettre ce qu'on appelle l'interprétation stricte, stricto sensu, afin que toute personne qui commet un acte sache si la loi correspond à cet acte, s'il se met sous le coup de la loi pénale ou pas, sans qu'il y ait de doute possible. Et alors ça, c'est différent, évidemment, de cette approche, on va dire, anglo-saxonne, germanique, qui laisse une bien plus grande place à la tradition coutumière. Alors, qui laisse au juge. La loi pour les droits coutumiers, anglais et américains, la loi n'est qu'une chose subsidiaire. Le juge est libre. Alors, il est lié par une jurisprudence, mais il peut s'affranchir de la jurisprudence si il définit les faits comme différents du cas précédent. Par conséquent, vu de l'esprit des Lumières, vu de l'esprit de Beccaria et vu de la tradition de plus de 200 ans du droit français, du droit écrit, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qui, pour nous, doit être barbare.
Alors, de ce point de vue, vous disiez tout à l'heure que cette notion d'état de droit, elle était brandie en toute occasion et qu'elle était associée de manière systématique à la sacro-sainte République, celle dont on nous rebat les oreilles depuis quelques semaines. Or, selon vous, il y a une contradiction, un fossé entre la République telle qu'elle est conçue en France et puis cet état de droit que l'on cherche à imposer comme norme absolue aujourd'hui. L'état de droit et la République, au sens français du terme, sont rigoureusement en opposition. Sont rigoureusement en opposition parce que l'état de droit présume qu'au-dessus du souverain, il y a des principes qui s'imposent au souverain. En revanche, depuis la Révolution française, on ne voulait plus de ce système. Tant et si bien qu'on était même arrivé à un certain abus républicain, puisque après la Révolution française, y compris après les réformes de Napoléon, il n'était pas possible à un juge de juger une administration quelconque. Par conséquent, le plaideur, qui n'était pas vraiment un plaideur de ce fait, toute personne qui était en conflit avec l'administration publique n'était pas en mesure de saisir un juge. Car le juge devait se borner aux lois qui respectaient la séparation du pouvoir. La séparation des pouvoirs, il ne doit pas se mêler de l'exécutif, il ne doit pas se mêler du législatif. Il faut savoir que jusqu'en 1993, les conventions internationales avaient déjà perdu la chose, mais l'article 127 de l'ancien code pénal prévoyait que le juge qui refusait d'appliquer la loi telle qu'elle était, ce qu'on fait couramment aujourd'hui, nous y reviendrons, était en situation de forfaiture, dégradation civique et perte, bien sûr, de son emploi de magistrat. Donc, il faut savoir que, dans un premier temps, la République interdisait à tout juge de s'occuper du pouvoir exécutif et des administrations publiques. Les personnes qui étaient en conflit avec une administration publique devaient s'adresser au conseil de préfecture, qui était un conseil qui entourait le préfet dans chaque département, mais c'est le préfet qui librement décidait de la décision à prendre. Il était, au demeurant, à la fois juge et partie, ce qui était un petit peu abusif, nous en sommes bien d'accord. Et sans rentrer dans l'état de droit, ce système, qui était tout de même abusif de la République, a été supprimé, pas seulement après la République, mais après le Second Empire, puisqu'à ce moment-là, on a mis un système qui va déboucher sur les tribunaux administratifs et le pouvoir suprême du Conseil d'État en matière de droit administratif. On va permettre au Conseil des préfectures, futurs tribunaux administratifs, de juger non plus en justice retenue, c'est-à-dire conseillant le préfet libre de prendre sa décision, mais en justice déléguée, c'est-à-dire prenant la décision même contre le préfet. Et c'est là qu'il y a eu, en 1873, un arrêt considérable qu'on appelle l'arrêt Blanco, qui a fait naître le droit administratif français. Et le droit administratif français est un droit tout à fait particulier, avec des magistrats qui ne sont pas les mêmes que les magistrats de l'ordre judiciaire, tradition républicaine oblige, et qui est un droit tout à fait particulier, et qui n'existe que parce que la République est hostile à l'état de droit. Enfin, traditionnellement. Mais alors, vous évoquiez tout à l'heure une évolution de cette situation au cours des dernières décennies, à partir de laquelle on se serait donc progressivement éloigné de ce modèle-là. Tout à fait. Alors, il y a des moments extrêmement importants. En 1973, il se trouve que la France va ratifier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est très différente, très éloignée de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est une déclaration très brève, de principes généraux, et qui est nomocratique en ce sens qu'elle renvoie pour presque tout à la loi. En revanche, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est 66 articles de principes très généraux, que l'on peut interpréter absolument comme on veut, dans l'esprit de ceux qui ont contracté avec nous, à commencer par les Anglais, qui eux sont de droit coutumier. Et je dis 70 articles, mais vous avez aussi les annexes. Et à ce moment-là, nous sommes censés être liés par cette convention. Mais
ça reste quelque chose dans le domaine des principes parce que la France ne ratifie pas, enfin n'adhère pas à la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg. En revanche, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, en 1981, la France va signer la convention qui met la France à la merci, susceptible d'être condamnée par des juges que personne n'a élus, qui sont ceux de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, en France, article 55 de la Constitution, pour ne parler que de la Ve République, les conventions internationales priment sur la loi nationale. Par conséquent, maintenant, nos juges, notre système judiciaire dépend de gens qui sont le symbole de l'état de droit, c'est-à-dire quelque chose qui est dans les cintres, quelque chose qui est au-dessus du Parlement, quelque chose qui est au-dessus de la souveraineté démocratique et qui énonce ces oukases et qui condamne la France et qui invente des tas de principes, notamment, chose extrêmement dangereuse, avec les articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque l'article 8, c'est le droit à la famille, alors on l'interprète comme on veut, ah oui. Tant et si bien que si la France avait, si les dirigeants français avaient aujourd'hui le courage d'abroger le décret Chirac du regroupement familial, la France serait condamnée. Parce qu'ils interprètent le droit à la famille. Tout le monde a droit d'avoir sa famille. Tout le monde a droit et par conséquent, on ne peut plus s'y opposer. Et puis, il y a l'article 9 sur la liberté religieuse, qui est là aussi en opposition complète avec le principe de laïcité de la République française, qui décidément abdique bien souvent depuis quelques décennies, abdique bien souvent ses principes, parce que maintenant, on met le droit des religions, d'une manière qui n'est pas conforme à la laïcité, qui était quand même de la mettre dans la sphère privée, et maintenant on se croit obligé de faire des accords, comme l'a fait le président Sarkozy, pour créer des institutions, avoir des interlocuteurs. Et ce n'est plus une question de vie privée, ce n'est plus une question de conscience, c'est une véritable question institutionnelle, d'où le problème de l'islam aujourd'hui, en France. Oui, j'allais dire, j'essaye de vous suivre, maître, mais par exemple la burqa, est-ce qu'on a le droit en France d'interdire la burqa dans les lieux publics, à la lumière de ce que vous venez de dire? Alors, puisque c'est la liberté religieuse. Dans l'état de la jurisprudence actuelle, à ma connaissance, oui, de la Cour européenne des droits de l'homme, dans les lieux publics, oui, mais nous ne devrions pas aller beaucoup plus loin parce que il y a effectivement un risque. Mais oui. Mais c'est un exemple. En tout cas, le point de savoir dans l'avenir si on autorisera ou pas la généralisation, y compris dans les administrations publiques, du foulard islamique, y compris total, ne dépend plus de la loi française, ne dépend plus de la justice française, mais dépend d'une entité étrangère composée, c'est l'état de droit, composée de juges qui n'ont pas été élus par les peuples, mais qui s'imposent même à la loi des représentants du peuple. Et comment sont-ils choisis, ces Alors, ces ils juges, sont nommés, ça je ne connais pas dans le détail la manière, mais ils sont nommés, il y a quelques juristes français, quelques magistrats français. Sur dossier. Qui sont promus, proposés par l'État, par chaque pire. État. Et ça donne des résultats extraordinaires. Vous voyez les noms des magistrats, vous voyez qu'ils viennent de toutes sortes de pays, qui ont des traditions juridiques, puisqu'il y en a qui viennent des anciens pays de l'Est, bonjour la tradition juridique, ou bien des Anglais, traditions juridiques qui n'ont rien de commun. Tout ça se termine en langue anglaise et on va vers la common law, donc la rule of law, qui dépasse l'État. Et cette situation, elle est appelée à perdurer, ou est-ce qu'on peut espérer une réaction politique qui pourrait remettre en cause cette situation qui s'est établie au fil du temps et à l'évidence contre la volonté des peuples, enfin, qui n'ont même pas été consultés. Il faudrait revenir, comme le disait dans le suicide français Éric Zemmour, au principe du général de Gaulle sur ce point, lorsque Alain Perfit l'un de ses ministres lui avait proposé de ratifier
la Convention. Il avait dit à son ministre... Non, c'était Couve de Méouville, c'était le ministre des Affaires étrangères. Il avait dit, rapporte Éric Zemmour, il avait dit au Conseil des ministres, « Eh bien, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous m'avez convaincu. Nous ne ratifierons pas la Convention. » Alors, ce qu'il faudrait, pour répondre à la question, ce qu'il faudrait, mais il faut une préparation doctrinale, il faut une préparation politique, c'est rompre avec la Cour, enfin avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui correspond en rien à nos traditions juridiques et qui est une violation permanente de la volonté démocratique. Et alors cette Convention, elle vaut dans le cadre de l'Union européenne ou de manière plus large? Alors c'est à l'échelle du Conseil de l'Europe, donc c'est plus vaste. Donc ça vaut aussi pour la Russie? Oui. Et des pays tels que la Suisse... Suisse, malheureusement, a fini par y céder. La Suisse, très longtemps, s'est tenue à l'écart de l'état de droit, mais elle a fini par y céder. Dommage, oui, effectivement. Alors, il y a un aspect aussi qui peut paraître un petit peu surprenant, c'est la notion de constitutionnalité des lois. C'est-à-dire qu'on peut voter des lois aujourd'hui, les représentants du peuple... légalement élus, représentant légitimement le peuple, peuvent voter une loi, mais voilà un texte qui peut être cassé par le Conseil constitutionnel, ce qui correspond à une situation là aussi un petit peu nouvelle. Alors c'est le dernier avatar que nous subissons de l'état de droit. L'idée que des juges, à commencer par des juges non élus, puissent annuler ou neutraliser une loi démocratique est une idée assez moderne. Elle est née aux États-Unis en 1803 avec l'arrêt Mabury versus Madison. Alors, le conflit entre Mabury et Madison est complètement oublié et je serais bien incapable de vous le décrire. Mais ce qui est important, c'est que la Cour suprême des États-Unis s'est arrogée la supériorité de ces arrêts sur la loi fédérale. Et les autres pays sont restés en général très en retrait. On ne peut pas parler du cas de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, contrairement à la France ou aux États-Unis, n'ont pas une constitution rigide, c'est-à-dire n'importe quelle loi peut modifier, sauf que les juges l'interpréteront à minima. Donc, depuis cet arrêt, aux États-Unis, les lois peuvent être soumises aux juges, comme anticonstitutionnel. On peut, devant un juge américain, depuis 1803, plaider l'inconstitutionnalité d'une loi. Et en France, autre catastrophe due à M. Sarkozy, depuis 2009, il est possible de remettre en cause la constitutionnalité d'une loi de la démocratie de la République française. Alors, la procédure est un peu plus compliquée que chez les Américains. Il y a certaines restrictions, simplement une petite complexité dans le processus, puisqu'il faut que la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire ou que le Conseil d'État pour l'ordre administratif né en 1873 avec l'arrêt Blanco disent qu'effectivement il faut saisir le Conseil constitutionnel, qui est composé de gens que personne n'a élus, bien entendu. Et ils peuvent donc remettre en cause la loi républicaine, comme on se plaît à le dire. C'est ça l'état de droit, c'est qu'il y aurait des principes supérieurs au pouvoir du législateur. Alors c'est extrêmement grave si on maintient ce système. Parce que si demain un parti, en rupture avec l'arc républicain, comme on dit aujourd'hui, suivez mon regard, arrive au pouvoir et obtient une majorité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va se passer? Il va voter des lois, notamment sur l'immigration. Oui. Elles sont annulées. Elles sont neutralisées. Elles ne marcheront pas. À ce moment-là, c'est... Par conséquent, c'est un coup d'État des juges, que dénonce d'ailleurs le même Éric Zemmour dans Le Suicide français, qui date de 1971, donc après le départ et même la mort du général de Gaulle, qui n'en voulait pas, et qui a consisté à dire, sous la présidence de Gaston Palevski, à dire un jour que, donc de 1971, si j'ai bonne mémoire, de dire, eh bien, le Conseil constitutionnel, qui devait déjà juger de la conformité d'une loi à la demande du président de la République, du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, ne jugeait la correction de la loi que du point de vue purement technique. Est-ce qu'elle a bien été votée par les deux chambres dans les mêmes termes?
Est-ce que c'est bien l'Assemblée nationale et non pas le Sénat qui a eu le dernier mot? Est-ce que les délais ont été respectés? Est-ce que la publication a été faite au journal officiel? Enfin, ce sont des détails techniques. Eh bien, en 1971, sous la présidence de Gaston Paderewski, ils ont inventé le concept de bloc de constitutionnalité, qui consiste à dire, oui, voilà, en deux mots, la Constitution, c'est essentiellement des éléments techniques. Ceci relève de la loi, ceci du pouvoir réglementaire, cela, les lois doivent être votées comme ci, comme ça. C'est purement technique. Mais il y a le préambule, et dans le préambule, issu de la 4e République, il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, ils ont dit ce jour-là, eh bien, nous pouvons juger de la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et aux grands principes, après ça, on invente des grands principes, on invente une jurisprudence, on s'affranchit par conséquent de la loi écrite, et à ce moment-là, eh bien, ils se sont mis à juger les lois, à les annuler, mais à l'époque, c'était uniquement à la demande d'entités politiques supérieures, que j'ai mentionné, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Ensuite, on a permis à 60 députés, et maintenant on permet aux juges de saisir le Conseil constitutionnel. Par conséquent, effectivement, je dis que si un parti arrive au pouvoir en dehors de ce qu'ils appellent l'arc républicain, tout en violant la République, puisqu'il se réclame en même temps de son antagoniste qui est l'État de droit, eh bien, les lois du nouveau pouvoir, si elles sont jugées dissidentes, seront annulées par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a eu un coup d'État constitutionnel en 1971 par le Conseil constitutionnel, et les gens qui reviendront au pouvoir, s'ils ne peuvent pas modifier, parce qu'il faut modifier la Constitution, si les dissidents qui arrivent au pouvoir ne peuvent pas modifier la Constitution, eh bien, il n'y aura qu'une seule solution. Contre un coup d'État de 1971, ça sera un coup d'État de 2000, je ne sais pas combien. Alors, l'émission se termine malheureusement parce qu'on vous écoute. Que nous appelons de nos voeux. Oui, ça, c'est autre chose. Un mot sur les juges. On entend dire les juges rouges. On en a la certitude et la preuve chaque jour. Vous en pensez quoi? Très rapidement, parce que. Très rapidement, il y a une chose un peu fâcheuse qui est que la plupart de nos juges passent par le moule de l'école. Nationale de la magistrature, et ce moule est très gauche, et très à gauche. Et puis, et ça revient aux gens qui parlent de l'état de droit et de la République en croyant que c'est la même chose, et puis je crois que une génération montante de juges est à l'image de la génération montante, comme toujours d'ailleurs, en général, c'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'on leur a appris, il n'y a aucune curiosité et il n'y a plus aucune culture. Par conséquent, ils appliquent ce qu'on leur a dit d'appliquer. C'est comme le chien du temps de le chien bien élevé du temps de Chirac à la mairie de Paris. Ils font là où il faut faire. La voix de son maître. Eh bien, messieurs, merci. L'émission se termine. Je rappelle le livre d'Éric Delcroix, Le théâtre de Satan. Aux éditions de l'Encre. Et vous apprendrez, comme nous, beaucoup de choses. Merci, maître. Merci, Philippe. Merci. À bientôt, restez-nous fidèles. L'histoire, c'est ici.